c'est dire ni hao en japonais, mais c'est tout. Jérémy Mion, c'est un passionné de voile et qui fait ça tout le temps en ce moment. Je pensais à essayer de rester à l'endroit sur mon bateau et à pas tomber à l'eau. La médaille d'or. Plus ou moins, parce que je pensais pas que j'irais au JO quand j'étais gamin, mais maintenant que j'ai eu l'espoir, ouais, c'est vite devenu un rêve. Ne jamais rien lâcher, voilà, la route est longue et il y a plein de chemins pour y arriver, et ce qui compte, c'est d'être passionné et de se donner les moyens. Un mec ultra fiable, sur qui on peut compter au jour le jour, et qui est passionné, et qui est d'une rigueur de dingue. Notre force, c'est notre complémentarité. On n'est pas pareil avec Kevin et bah, c'est une grosse force parce que voilà, on se tire vers le haut l'un et l'autre dans différents domaines. Le Havre, quand même. C'est la ville où, dès que je reviens, j'ai tous les gens qui comptent qui sont là, ceux qui me soutiennent dans mon projet. C'est une ville où j'ai passé mon bac et des années importantes, donc j'ai beaucoup de souvenirs. Je suis super fier d'être ambassadeur du Havre dans ce que je fais au quotidien. Voilà, c'est ici qu'est née ma passion et mon espoir de faire les Jeux Olympiques un jour. Profitez bien de votre ville parce que moi j'aimerais bien y être plus souvent. C'est cool de voyager, mais voilà, on profite bien ici et il y a une grosse chaleur humaine que je ne retrouve pas tout le temps ailleurs. Donc voilà, vous me manquez. Tout à l'heure en japonais, je t'ai dit ni hao, mais c'était en chinois, donc c'est la honte.